à toutes et à tous et bienvenue dans le Mag Animal, votre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'animaux dans des lieux atypiques. Notre premier sujet porte sur les bars à chats et plus précisément le Neko Café situé à Grenoble, en Isère. Parfait pour prendre une petite pause, boire un chocolat chaud, travailler et faire la rencontre de petits chats craquants. C'est un lieu charmant et convivial qu'on vous emmène voir, en compagnie de Benjamin et Laetitia Muglia, les responsables du lieu. Dans un bar à chat sur Lyon et je me suis dit il manque ça sur Grenoble et j'ai tout quitté et je suis partie pour l'aventure du bar à chat sur Grenoble. Voilà. Neko Café, Neko veut dire chat en japonais, donc le concept vient du Japon. Tout pour la passion des chats et moi voilà, c'est l'occasion d'avoir plein de chats également. C'est l'occasion de faire d'autres choses avec des animaux, avec nos propres animaux. Ouais. Donc on ne demande pas grand chose pour monter un bar à chat. Tu as besoin d'une formation d'éleveur. Et si tu fais de la nourriture, on te demande juste une formation d'hygiène alimentaire. On a pris notre temps pour ouvrir et quand on s'est fait connaître, il y a deux autres bars à chats qui ont voulu faire la course à l'ouverture. Ouais, c'est ça, ouais. C'était la guerre froide à l'époque. Ouais, hein. C'était un peu une guerre froide. Ils ont ouvert avant nous alors qu'ils se sont fait connaître après nous et bon, bah, du coup, ils sont fermés avant nous. Et également. Ils sont fermés avant nous. Voilà, on a gagné. Ouais, au bout de 6 ans, on est sale maintenant sur Grenoble. On est en partenariat avec des associations, au besoin, si vous avez besoin d'adopter des chats. Nous, on est là dans un autre rôle, dans un autre registre, pour dire aux gens, attention, tous les chats de race ne sont pas pour tout le monde. Donc nous, on fait un autre travail sur les chats de race en disant, voilà, ah, le Maine Coon est à la mode, mais il y a des exigences pour avoir ce type de chat, ou comme un sphinx. Donc on est là pour expliquer aussi le fonctionnement des autres races et que c'est pas donné à tout le monde d'adopter ce genre de chat. Donc voilà, nous, on a ce travail-là. Le problème de ce concept, c'est que c'est un lieu qui est très sympa, on peut y rester des heures à caresser des chats, etc. Mais les gens n'ont pas vraiment envie de consommer, ils viennent juste, voilà, pour ouais, eux c'est normal voir les chats, mais dès que tu amènes un enfant, bah, ils n'ont pas vraiment l'idée de consommer. À la base, avoir un des chats, ça peut être un avantage, mais vraiment ça devient aussi un inconvénient parfois. C'est un peu compliqué, donc pour tenir un bar à chat, c'est compliqué. Il faut savoir qu'un bar à chat en France, une ouverture dure à peu près 2-3 ans. De 3 ans, beaucoup de bar à chat se cassent la figure. J'ai adoré, je passerai bien mes après-midi là-bas. Merci à Benjamin et Laetitia de nous avoir présenté leur travail charmant ainsi que les chats qui l'accompagnent. Maintenant, je vous propose de passer à notre sujet suivant. Nous allons à Chambéry, en Savoie, à la rencontre de Nadia Bachon, la directrice de la SPA. Un refuge où chats et chiens sont recueillis, soignés et adoptés. C'est un lieu riche en émotions, accompagné et géré par des bénévoles. Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons à la SPA de Savoie, un refuge rassemblant passionnés et personnes sensibles à la cause animale. Nadia Bachon, présidente, nous raconte son fonctionnement. Alors la SPA de Savoie a été créée en 1931 et ce refuge-là date de 1982. On s'appelle SPA de Savoie, mais on n'a rien à voir avec la SPA au logo orange. Nous, on fait partie des 250 autres refuges indépendants qu'il y a en France. Lors de l'adoption, les adoptants devront signer un contrat de connaissance des besoins des animaux ne pouvant être résiliés. Ils devront ensuite fixer un rendez-vous afin de savoir si oui ou non ils sont aptes à accueillir l'animal en question. L'adoption finalisée, les adoptants recevront une visite ou des relances du refuge afin de s'assurer que tout va bien. Dans la poche intérieure. Vous avez choisi, je crois. Dans la poche intérieure.
Alors, il y a 6 salariés qui sont donc les 6 agents animaliers, donc qui s'occupent des soins animaliers, qui vont renseigner les gens sur le comportement, qui vont donc faire les papiers d'adoption, les soins aux animaux, etc. Tout le reste étant des bénévoles. Oui, ouais. Et bah, du coup, on a tout, si, on a tout mis donc, du coup, dans la troisième. Alors, oui, on est en partenariat avec un certain nombre d'autres refuges, donc entre autres l'ASPER du Dauphiné, l'association Audace qui amène de temps en temps des animaux qu'ils n'arrivent pas à faire adopter, 30 millions d'amis, on a un partenariat intéressant. Merci à Nadia et toute son équipe de nous avoir accueillis. Et surtout, n'oubliez pas que chaque animal mérite un foyer. Merci à Nadia de nous avoir présenté le lieu. Une deuxième chance est accordée à ces animaux, tous et plus attachants les uns que les autres. N'oubliez pas qu'en une année, 340 cas de maltraitance sont reportés. C'est déjà l'heure de notre dernier sujet, et c'est un sujet qui va bien vous faire rigoler, rien qu'à voir leur petite tête. Nous allons dans le Beaufortin, toujours en Savoie, à la rencontre de Thomas Guinet, éleveur d'alpagas et de lamas. Il nous présentera son métier hors du commun. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai très hâte d'en savoir plus. Je suis éleveur d'alpaga et de lama à Beaufort, Beaufortin. Notre exploitation est à peu près aujourd'hui 13 crias, alpaga à lama, lama à woolly, alpaga à wakaya. Et c'est le premier élevage le plus haut de France en altitude, 1100 mètres. Je travaille avec ma compagne, Céline. Donc Céline, elle s'occupe beaucoup de la partie laine, donc le produit fini après la tonte. Et moi, je m'occupe plus de la partie agricole, donc l'organisation du quotidien des animaux, avec leurs abris, les barres à foin. Donc l'hiver, quand il n'y a pas de neige, ils peuvent sortir librement. Il n'y a pas de parcelle d'isolement, on appelle ça comme ça ici. Donc moi, à l'étable, en dessous de la maison, il y a les mâles. Et après, sur une parcelle qui est à côté, j'ai les femelles. Je ne mets jamais mâles femelles ensemble déjà. Mais c'est une sécurité pour nous, ça évite qu'on ait les petits toute l'année. Et après, une fois que les mâles sont sortis, on sort les femelles, pareil. Et ensuite, on va faire le nettoyage des espaces de vie, donc le fumier, on le sort. Et ça part pour des jardins, pour des particuliers. Donc moi, la journée, je fais mes travaux agricoles. Et les soirs, dès que la nuit tombe, on va les rentrer à l'étable. Et l'étable est fermée, il n'y a personne dehors, nous l'a dit. Tu veux un peu, mon frisouille ? C'est une activité complémentaire, on est en double actif, on travaille. Tous les éleveurs d'alpaga et de lama en France, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas les filières laines qui nous accompagnent derrière. Toutes les filières laines, c'est des petites entreprises, c'est des micro-entreprises, et donc ils ne peuvent pas produire des gros volumes. Donc en fait, on est obligé de travailler à côté pour compenser ce bénéfice. Sur toute l'année, nous, on voit à peu près 2000 personnes. C'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut que les animaux restent tranquilles. Après, nous, ce qu'on a fait depuis le Covid, on ne fait pas qu'accueillir les gens, en fait, on se déplace pour des centres de vacances, des centres de loisirs pour enfants, des accueils de jour pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer. On va emmener des cardeuses à laine, de la laine, et on va emmener des animaux. Comme ça, on va leur expliquer tout le processus. On leur fait voir l'animal, ils font un petit bout de promenade dans le verre, et après, ben, on leur explique tout ce qu'on fait pour en arriver là. Eh ben, Antoya, elle les appelle. Mmh. Ouais. On va pas la découper, ta fille, t'inquiète. Hein. Merci Thomas pour cette présentation, j'ai adoré en savoir plus sur vos animaux hors du commun. C'est malheureusement la fin de notre magazine, mais ne soyez pas tristes, nous nous retrouvons la semaine prochaine en Normandie à la rencontre de nouveaux animaux marins. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, le Mag Animal, c'est tous les vendredis. C'est la même Bah super, ça c'était un beau plan ça. Bah.
Très bien. Hey, nous, tu veux quoi, toi? Nous sommes ici. Toi, tu veux quoi, là? Tu vas découvrir la neige. C'est ça, tu vas te battre. Regardez comme il nous regarde. Bah, moi, du coup, peut-être genre 900, vu que je suis dans un immeuble. Dans un immeuble à 900. Après, on a Bruno. Alors, Bruno, c'est Monseigneur Bruno. C'est encore l'année du M. Monseigneur, pourquoi? Parce que c'est un chartreux. Et le fondateur des Pères Chartreux, je te le mets en mille, c'est Saint... Chartreux. Bruno. Ouais. Saint Bruno. La plainte, hein. Vous aimez être là? Oui. On est en train